Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Your Game et on se retrouve pour le nouveau match de l'équipe de France face à l'Allemagne car vous le savez, elle s'est magnifiquement qualifiée pour les quarts de finale face au Nigeria. Et évidemment, pour jouer ce nouveau match, je suis accompagné tout le temps de mon partenaire Chokiz. Salut tout le monde, merci à toi de m'avoir invité encore une fois. Ah ben, c'est tout à fait naturel, tu habites à deux pas de maison de chez moi. bienvenue à toi, donc salut Chokiz et maintenant on l'a tiré au sort et tu as encore perdu, j'ai tiré la France. Heureusement, je préfère jouer la France que l'Allemagne, même si sur le papier comme on voit, elle est plus puissante, l'Allemagne légèrement, plus puissante. Ouais, légèrement de toute façon, fort. Même si j'aurai la France, je vais te gagner dans tous les cas, donc voilà. Donc moi je suis français, je joue la France tout simplement, et j'ai eu de la chance au tirage au sort. Donc juste avant de commencer le match, je précise que c'est pas du tout encore une fois un YVS, c'est juste on avait dit qu'on jouerait tous les matchs de l'équipe de France tant qu'elle continuerait dans cette Coupe du Monde, et j'espère qu'on jouera la finale, tant qu'à faire. Bah bien sûr, j'espère. vas-y, règle comme la dernière fois, vite fait. C'est la même chose, Ok, c'est parti. Et d'après ce que je peux voir, regarde, les joueurs, ils ont... Est-ce que tu veux gérer ou pas ton équipe? Vite fait, je veux juste voir vite fait, juste la composition, le dispositif d'ailleurs qui a modifié de la dernière fois. Je sais pas si on peut l'enregistrer ça, parce que j'imagine que si on va jusqu'à un Coupe du Monde, je vais devoir le refaire à chaque fois. Jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Mais la BBC. Mon effectif. Je sais pas qui mettre. Moi je veux remettre la même équipe que la dernière fois, sauf que de la dernière fois j'ai remarqué que j'avais pas mis Pogba titulaire. Ah. J'avais fait une petite erreur, mais bon. Là il y est, il a perdu 2 en... Écoute, moi je pense que je vais laisser comme ça. Hein. Allez, ben moi aussi, mais regarde comme la dernière fois, Valbona à droite, Giroud en pointe et Benzema sur la gauche. Pogba il a perdu bizarrement. Ouais. Benzema c'est normal. Pogba. donc c'est parti. Donc j'espère que ce match entre nous deux sera serré, mais que je l'emporterai. Évidemment. Puisqu'on ne rappelle plus maintenant, le score qu'on va faire sera le vrai score du match. Ouais, d'ailleurs, jusqu'à présent, tous les matchs qu'on a fait avec l'équipe de France, aucun des scores n'était plus ou moins bon. Et heureusement, quand même. Oui, heureusement, c'est vrai, parce que 2-2 contre le Nigeria avec la défaite au penalty, c'était pas très bien, ça. C'était un peu chaud, ça. Mais ça a failli se passer, mais bon, après, ils ont mais là, pour le coup, t'as pas eu la France, mais t'as eu une bonne équipe. C'est pas comme les autres voilà, de poule, quand on avait pas la France, cas, on est pas trop déçu. On avait l'Honduras, la Suisse, qui est pas non plus... Voilà. Et là, ça va être l'Allemagne, donc ça va être plutôt un match, on va dire, serré avec pas mal de techniques. Et c'est parti. Et juste pour parler un peu de l'équipe d'Allemagne, qu'est-ce que tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu le match de l'Allemagne. Je ne l'ai pas vu en fait, non. Est-ce que tu as entendu un peu, ou est-ce que tu as regardé un peu des matchs depuis le début de la Oui. De l'Allemagne. Hop. Ouh. Oh, j'ai cru qu'il y était. 3 minutes de jeu, oh. Et attends, quand même. Ça sera un corner pour attention, ce petit corner. Et cette tête pas très bien, allez, non. Le contre. J'ai pas trop vu. Enfin, j'ai vu beaucoup de matchs, mais bon. Faut dire que je pense que c'est un des favoris, l'Allemagne. Donc, Oui, ça c'est sûr. J'ai pas vu non plus beaucoup de matchs. Je sais qu'ils ont eu un peu de mal contre le Chili. Non, je sais plus. Le Ghana, c'était. Ils ont fait 2-2 ouais. Contre le Ghana, ils se sont pris quand même 2 buts. Oulala. Donc voilà. Et puis aussi, on a un léger avantage, faut dire, pour le match de demain, enfin, ou d'aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que la vidéo sera mise en ligne. Ouais. C'est qu'en fait, les Allemands, ils sont allés, je crois, ils ont joué 30 minutes de plus que nous, en fait, puisqu'ils ont fait les prolongations face à l'Algérie. On avait annoncé un match, enfin, une victoire plutôt sereine des Allemands face à l'Algérie, et il faut reconnaître que les Algériens, ils se sont bien battus. Plutôt serré, ouais, sur le match. Ouais, ils se sont très bien battus, les Algériens. Mais aussi, il faut savoir aussi, je crois que les Allemands, il y a des joueurs malades, il me semble. Ah, ils ont la gastro. J'ai vu ça quelque part. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment c'est vrai. Il y aurait quelques joueurs malades. Apparemment des joueurs importants. Après, je sais pas, donc on verra. Ça veut dire que contre nous aussi demain. Oui, c'est ça. Contre le match de demain. Ah, pour contre France-Allemagne, il y aurait des joueurs malades. Il y aurait des joueurs allemands malades. Apparemment, après, je sais pas si c'était un fake ou quoi, mais. Tu commences déjà à se trouver des excuses ou quoi. À mon avis, c'est pas un fake. Donc on verra. Mais je pense qu'on a, même s'ils sont pas malades, on a toutes nos chances parce que. Voilà, disons que cette Coupe du Monde est pleine de surprises, donc pourquoi pas. Ouais. Non, mais même ça serait pas une surprise que la France gagne l'Allemagne. Ouais, non. Mais je crois que par contre, on a jamais gagné les Allemands un match au fin. Un match aussi important que ça, je crois, dans les. Il me semble, après je dis peut-être sûrement, une connerie. Sûrement, mais j'y crois fort comme Pierre. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas. En gros, j'y crois beaucoup. Attention, le corner. Ah, je crois que c'était. Ah, si, c'est Valbona. J'ai pas fait gaffe. Aïe. Ah, c'est pas fini. Oh, y'a personne. Poum. Ah là là. Ah là là. J'aurais pas dû tirer, je crois. C'est bien. Oh, pour l'instant, voilà.
Et dans la vidéo juste d'avant, en fait, j'avais prédit. J'avais annoncé que mon favori à moi, c'était les Pays-Bas, sans compter la France, bien évidemment. Après la France, c'était les Pays-Bas, et ils ont gagné de justesse face. Ah oui, ils ont eu très très chaud les Pays-Bas quand même. Face au. C'était qui déjà, j'oublie tous les. C'était les face. En plus, oui, je m'en souviens aussi. C'était une équipe. Le Mexique, je crois. Le Mexique ? Non. Je confonds. Peut-être. Je crois que c'était le Mexique. Je m'en souviens absolument pas. Ouais, je crois que c'était le Mexique. En tout cas, c'était quand même. Ouais, je crois que t'as raison. Ils perdaient 1-0 jusqu'au dernier match. Ouais, ils ont marqué dans les temps additionnels et tout. Ils ont eu vraiment chaud. Ils ont eu aussi un penalty. Ouais, penalty à la fin. Penalty sur le gong, si je puis dire. Ouais, assez chaud, mais bon, ils sont toujours dans la course pour le quart de finale, donc on pourrait d'ailleurs les retrouver en finale. En finale aussi. Comme par exemple l'Argentine aussi qui a gagné la Suisse. Oui, mais avec du mal aussi. Ouais. 1-0, je crois, dans les prolongations. Dans les prolongations. Ouais. Et but de Di Maria, il me semble. Ouais. Pas de Messi cette fois. Qui les a sauvés. Ouais, parce que sinon ça aurait fini. Un tir au but. C'est vrai que c'est vraiment une Coupe du Monde. On s'attend pas quand même. Et pour le coup, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les petites équipes d'Amérique du Sud, elles sont. Enfin, les petites équipes. Oh, les petites équipes qu'on donnait pas forcément du galon, on va dire. Ouais. Qu'on donnait pas forcément de. Qu'on n'aurait pas dit qu'elles allaient loin, en fait. Voilà, oui, c'est bien. Comparé à l'Argentine, tu vois, c'est une équipe d'Amérique du Sud, mais elle a du mal. C'est une grosse équipe, par contre. Par contre, les plus petites équipes, comme le Chili, tout ça, dans la Colombie, etc. Colombie, je crois que c'est Amérique du Sud, je sais plus. Le Mexique, d'ailleurs, le Mexique. Eh ben, ils font vraiment des gros matchs. Bon, là, ils sont éliminés. Colombie, ils sont encore en cours sec, ils sont, c'est déjà. Ouais, face au Brésil, donc on verra demain. Face au Brésil, en plus, et moi, je les vois gagner quand même, personnellement. Hein, le Colombie, même si le Brésil, c'est les gros favoris. Et qui risquent d'aller avoir. Vraiment, ce match, je sais pas si ceux qui vont regarder cette vidéo auront fait des paris sur ce match. Oui, oui, je crois qu'il était encore. Ah là là, je sais pas, vraiment. Moi, je pense que ça va vraiment être un match chaud. Et je vois encore aller en prolongation ce match. Hein. Pareil que le Chili, mais par contre, cette fois-ci, je vois la Colombie gagner. Par contre, si les Brésiliens se qualifient encore une fois au niveau des prolongations, ils vont arriver, ils vont être cramés sur les prochains matchs. Ils n'ont fait que des prolongations. Et si le Brésil passe et que nous on passe, c'est eux qu'on les prend. Ouais, d'un côté, pour nous, c'est bien. Parce que voilà, ils auront fait deux matchs en prolongation. Donc, enfin, si c'est vraiment ça, d'après toi, ça serait ça. Mais... Oui, je pense. Après, on verra. Raphaël Varane. De côté, ça serait bien pour eux aussi. Mais après, franchement, ils n'ont pas trop montré de trop de talent. Ah non, c'est sûr que. Talent, hein. Ouh là là, ça c'est beau ça. C'est dernier match. Attention. Non, non, mais c'est quoi ce contrôle, Benzema? Je vais le sortir. Il n'a pas fait sortir contre le match contre le Nigeria là. Déjà, il a préféré faire sortir Giroud. C'est moi qui vais le sortir finalement. Ah, plus, il a fait une prestation vraiment. Ça c'était une petite erreur, ben, une grosse erreur. Pourri. Oh, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu Giroud ni Benzema, mais Benzema, c'est hallucinant. Ouais, sur le autant match, il nous a marqué pas mal de beaux buts dans les matchs de poule, mais autant sur ce match il était vraiment invisible. Ouais, voilà, il n'a pas voulu changer parce que c'était Benzema, voilà, c'est pour ça. Ouais, heureusement qu'il s'appelle Benzema. Mmh, si Giroud s'appelait Benzema, il serait sur le terrain. C'est ça. Attention, non. Là tu vois, il m'a vraiment Giroud à la tête. Bah, il y a un point de Giroud, mais bon, c'est vrai que là il est invisible aussi. On le voit pas trop. Oh. Allez, non, faute. Gods. Attention. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je perds tous les ballons en fin de match. L'Allemagne shot. Est-ce que toi tu vois un match serré, c'est-à-dire serré mais pas de but, ou serré mais avec pas mal de buts? C'est-à-dire un 2-2, 3-3. Moi je verrais un match serré, peut-être un 1. Ça, moi je vois la France gagner en prolongation par contre. Je vois la France gagner, mais en prolongation. Après voilà. Très bien qu'il marque avant. Il y aurait beaucoup de prolongations dans cette Coupe du Monde. Oui, mais voilà. D'ailleurs, je crois que cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde où il y a le record de buts en fait. De buts, 144, je crois. Ouais. C'est énorme. Pour une Coupe du Monde, c'est la première fois. Donc là, c'est vraiment une Coupe du Monde très bizarre. Et pour le coup, en plus, ça se passe au Brésil. Alors tu vois, ça tombe bien. Le pays du football. Bon, on parle, il n'y a pas trop de buts, ni d'action ouais, là. On s'ennuie un peu, je pense qu'il y en a qui se sont endormis devant la vidéo. Moi aussi, je suis en train de m'endormir d'ailleurs. Vous n'avez pas eu hors jeu là. Je t'aurais marqué, je t'aurais éclaté les dents. Mais il faut dire que tous les gros matchs, les grosses équipes, ils sont un peu chiants les matchs en fait. Et ben, FIFA, c'est pareil. Si on remarque bien, le match de la France, c'était un peu chiant. Bon, c'était
pas chien, enfin, comment dire. On était un peu stressé, donc. Ouais, parce que c'est notre équipe, mais c'est vrai que quelqu'un qui supporte pas spécialement la France, c'était vraiment un peu s'ennuyer. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. T'as pas eu vraiment énormément trop d'actions, sauf sur la deuxième période où. Bah, ils ont quand même eu des actions, mais c'est vrai que voilà quoi. C'était pas non plus la folie sur le match. Ouais, ouais, voilà. Sur ce terrain. Au Maracana, non? On joue au Maracana, tu sais. Non, je crois pas que c'était au Maracana, c'est demain, je crois, justement. Ribeiro Preto, non? Non, ça c'est aussi, c'est leur camp de base. Allez, vas-y, vite! Aïe! Oulala, cours! Bon, et ouais, il court pas. Il prend sa profondeur à Lloris. Et il la récupère, il fait une passe. Tac! Oulala, que c'est chaud! Oulala, t'as peur! Où j'ai peur pour toi! Non! Non! Ah, le tir glissé! Oh là, ouais, il est resté au sol, il voulait plus se lever. C'est juste qu'il tire un peu moins fort et ça rentre. Putain! Ah, mais faut dire que j'étais gêné avec mon dernier défenseur, mais bon. Après, c'est vrai que. Ah, mais j'ai fait poteau aussi, ça t'as raté pas. Une occasion. Poteau, ah là. Easy là. Easy. Tu vas t'en mordre les doigts parce que maintenant. Je pense que c'est. Aïe, aïe, oulala! Oh, la faute! Tu me pousses! Il faut dire qu'Evra il est long, il est large. Allez, non. Putain, serein. Fallait faire le tir tout en douceur. La Colombie là. Contrôle de la poitrine, retourner de dos au cage. Contrôle de la poitrine orientée, c'est pas juste un contrôle de la poitrine. Non, voilà, il est magnifique ce but. Oui, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas appuyé sur la touche de tir. Ouais. C'était quoi alors? C'était une passe? Mais j'ai une passe en profondeur en fait, mais aussi forte, je sais pas qui l'a vu là-bas. Qui l'a vu ou ce qu'il ouvre? Il se trompait, il croyait qu'un spectateur c'était un joueur. Qui sait? Oula! Fais gaffe à toi. Ah, non, c'est pas possible, c'est contrôle. C'est pas possible. Oulala! Oula, ça commence à chauffer devant tes cages. Ah là, j'ai du mal là. En défense, j'ai du mal. Je sens que Lloris est en train de se chier dessus. Non, pas à ce point-là, mais bon. Les gars vont se trouver, je pense, à un moment. Il y a un moment où ça va rentrer. Ah là. Attention, Benzema. Oula. Oui, mais non, il fallait juste une passe. Ça, c'était un peu la passe abusée de FIFA. Ouais. Aïe, c'est pas bon ça. Heureusement que tu l'as un peu mal contrôlé. Ouh. Hors jeu, je crois, non? Aïe. Hors jeu. Ouh là. Ah, je l'ai vu, dommage. Tous les joueurs, ils étaient à Ah là, je suis dingue. Ouh là. Ça presse. Là, ça commence. Ça me rappelle, ça commence un peu comme le match du Nigeria, ils se sont pris deux après. Ouais. But sur hors-jeu, un hors-jeu. Regarde, là, il y a but. Un hors-jeu un peu litigieux. Ah, mais c'est quoi ça? Là, ça commence vraiment à trop chauffer. Là, je pense qu'il va exploser. Là. La cage va brûler. Mais c'est chaud. Attention. Oh, mais. Pas mal. Je fais n'importe quoi. C'est 64ème minute, 0-0. C'est pas très bon ça. Ah, j'ai fait une connerie. J'ai fait une belle erreur. Là, si je me prends un but sur ça, il faut que je la concrétise. Cette... Attention. Non, c'est bon, ça gère. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Hors jeu. Hors jeu là? Mais qu'est-ce que c'est ça? Sur une touche hors jeu? Et voilà, c'est le problème de FIFA ça. Hors jeu dans FIFA, on peut abuser des fois. Ah, oui. Okay. Là, j'ai de la chance, j'avoue. Tourne. Oui, il y a encore de la chance. Une fois que c'est moi qui ai de la chance dans le match, t'as rien à dire. Ah, je me trompe. Un téléphone sur cette interception impeccable. Oulala. Oh, le mauvais contrôle. Oulala, Valbuena. Non. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là. Non. J'ai fait un petit crochet au goal, c'était pas très réussi, mais c'est passé finalement. Le joueur, il a pas. J'arrive pas à le contrôler en plus. Logiquement, l'ordinateur il aurait dû gérer tout seul. Et... Ah, il est dépité le goal là, et oui! Mais ça avait. Vais le défenseur là. Ah. Il bouge pas, il voit la balle, puis tout se passe. J'ai fait un petit crochet un peu raté, un peu quand même. Allez, putain. J'ai jamais de chance comme ça. Boum! Oui. Boum! Allez. Allez, Giroud. Là, je suis chaud là. Vas-y. Tac. Par. Non, pas comme ça. Oh, y'a personne. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Ah, il est le premier sur cette phase. Pas profondeur. Oh, cette récupération. Faut en profiter. Oulala. Goal. Lui, il est beau. Lui. Tu vas faire saturer le micro. Lui, c'est un beau but. Je suis désolé si vous avez un casque.
Et une mauvaise défense aussi, hein. Tu as pu faire ce que tu voulais là avec ça. Une mauvaise défense, mais hop, cette petite enroulée magnifique. C'est là que je me trouve. Et voilà, mais qu'est-ce que c'est ce but de. Mais je me trouve là, mais ça, avec le dernier défenseur là au centre. Oh là là. Non, non, mais t'as rien à dire. T'as rien à dire. Et Lloris qui se détend pas, putain. Ah. J'aime beaucoup ce genre de match. Attention, est-ce que ça va encore aller aux prolongations? Est-ce que ça va aller aux prolongations comme je l'avais prédit? Bon ballon d'attaque. Attention, attention. Centre sur le défenseur. Boum. Ça c'est bien, ça c'est bien. Il n'y a personne, mais bon, c'est bien quand même. Vas-y, 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 vas-y. Voilà, c'est non. Trop bien. C'est du petit lait pour le défenseur. Oula, je vais, je vais modifier. Ah là, je suis obligé là, je suis obligé de t'en marquer un ou deux là de but. Oula, oula, on va voir s'il y a des fatigués. Oh, Pogba, il est pas très. Il est un petit peu quand même. On va faire entrer Sissoko, tiens. De toute façon, il était pas en forme là. Et ensuite, on va sortir Giroud. On l'a pas vu. Giroud. Pas du tout là. Je sais pas qui mettre. Il est où? Ah, il y a beaucoup de. Ok, ok. Ouais, on va les laisser. Ouais, c'est comme ça en fait. Hein. Parce que c'est la tête. Mais moi, j'aime pas faire des changements. Je me suis trompé, Giro. Je suis retourné dans le menu. Voilà. Attention, t'es prêt? Allez, vas-y, vas-y. Johan Cabaye. Oula. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Rien du tout parce que ça pue. Voilà, ça, c'est de la défense de fer. Le corner. La France qui va bénéficier d'un corner. Il va le bouger encore. Il faut donner un petit peu de tenue à cette équipe. Alors, l'entraîneur fait deux remplacements. Attention, attention. Oh, wow, la détente. Et maintenant c'est la contre-attaque de... Où ça l'aide? Aïe. Non. Non. Mais, oh, il perd. On s'approche du but. Bah, je suis un Tiger. Ah, y a personne. Il était trop avancé. Oui. Pouh. Je me trouve. Pouh, pouh, pouh. Pa. Oui. Deux beaux buts quand même. Deux beaux buts. J'ai plus rien à dire. Retour arrière. Et magnifique tir. Il est battu de Truc de dingue. Truc de dingue. Allez, c'est reparti pour le troisième. Tac. Ah, ça ne passe pas. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, t'as fait faute, c'est tout. Ah, ça joue vite. T'as rien à dire quand c'est l'arbitre qui siffle. Plus que 5 minutes pour essayer d'égaliser. Allez, mais pars. Mais pas toi. Non, il part pas. Ça, ça peut pas le faire. Oh là là, mais je parle de l'angle comme ça. C'est au milieu de terrain. En jeu. Ah non. Ah, je suis pas en jeu là. De courir. Mais non, mais qu'est-ce que pas en jeu là? Faut pas déconner quand même. Il demande la Golden Knight Technology. Allez, Griezmann, Kamal, cours. Aïe, cours. C'est pas fini, ouais. Touche. Non, dégage. Personne. Non. Alors que vous découvrez une statistique non, sur les tirs. Ça. Mais oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi il y a aucun jeu? Ah, il va sortir. Moi, je dis merci. 89e, ça se sent. Ah, ça j'ai la pas perdu un 2-1 là. Il faut déjà marquer un pour aller aux prolongations. Je veux pas m'envoyer vaincu. Qu'est-ce qui se passe là? Après, il met comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ça bouge. Oh. Il veut pas aller chercher la balle. Ah, c'est bon. Ça y est. Faites pas perdre du temps, vas-y. Hop, combien il y a d'arrêt de jeu là? 5 minutes. J'attends pas. Peut-être pas sur FIFA aussi. Il tacle, qui sera le premier sur oui, le ballon? Oui, chica. Allez vite, reprends-le. Aïe. Tout ça, Sissoko. Wouah, il m'a fracassé. Oui, toujours présent quand même. Allez, allez, ça sent la fin, c'est pas bon. Ça sent la fin pour toi. Non. Aïe, une dernière action du match, je pense. Jeez. Oh, sans problème. Je tire direct sur le goal. C'est nul. Et voilà. Et voilà. Moi, je prédis ce score 2-1 pour la France, pas pour l'Allemagne. Je suis désolé. 2-1 pour la France. Ouais. Donc ils vont pas de prolongation? Non, demain non, il n'y a pas de prolongation. Assez étrange, finalement. Ok. Mais bon, bizarre, voilà, pour ce match, je t'ai battu encore une fois. Encore une fois, ce n'est pas pour les YVS.
je suis complètement deg. C'est ça, mais c'est ça, pas grave. Je te l'ai dit, tu gagnes. J'ai quand même gagné. Je te laisse gagner quand tu joues contre tranquille, contre. Tu te gardes en fait pour les YVS, c'est ça. C'est exactement ça, voilà. D'ailleurs, il y aura sûrement un nouvel épisode YVS dans pas longtemps. Ah oui, c'est vrai, au fait, je voulais juste rajouter les gens. On a eu pas mal de pas trop de temps en fait. Bah, voilà. C'est surtout qu'on a fait la vidéo du concours. On voulait faire cette vidéo en priorité sur le YVS parce que c'est quand même la Coupe du Monde. Eh oui, on peut le faire qu'une fois tous les 4 ans. Eh oui, et donc le YVS, ça viendra dès que possible, dès qu'on a un peu de temps libre. Qu'on avait dit sûrement sur un jeu de combat, on verra bien. Un jeu de combat, et apparemment il y aura aussi un YVP que moi je suis pas complètement d'accord avec ça, mais bon voilà quoi. Je t'abandonne pour une partie, ça sera un hors série sur le Jurgen versus. Ça se rappellera toujours Jurgen versus Shokiz, mais hors série en fait. Non, mais ça va. Jurgen versus Shokiz, hein, Shokiz. Bien sûr, je rigole. Mais j'ai été défié par Pepita et je peux pas ne pas accepter ce défi, sinon on va me dire. Je comprends. On va me dire que je suis, j'ai peur en fait et j'ai pas envie. Donc voilà, on va se quitter sur ces belles paroles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal, c'est la fin de la vidéo. Il est tard, je suis fatigué. Je suis tard, ça veut rien dire, mais c'est pas grave aussi. Il est tard, en ce moment je me couche assez tard et allez. Je me lève assez tôt pour vous raconter ma vie en fin de vidéo. J'espère que je vous l'ai dit, j'arrive plus à parler. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci Shokiz. Toi t'as plus la vie que moi, merci. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager, voilà, c'est la Coupe du Monde. Ça fera plaisir, ça nous fera plaisir, à moi, surtout. Donc on espère que la nouvelle vidéo d'YVS, l'épisode 3, sortira bientôt, on fait au mieux. J'espère que le concours vous aura plu, si vous avez raté la vidéo du résultat, c'est ouais, sur la chaîne c'est... de mon poteau Shokiz. Et on vous a contacté aussi les gagnants par mail. T'as contacté avec tout le monde, ça y est? Oui, tout le monde normalement. Et les gagnants des codes, ils m'ont pas encore recontacté, donc j'attends leur réponse. Ok, ça marche. Et donc voilà ce que j'avais à dire. Et voilà. Donc c'est très bien. Et puis on va s'arrêter sur ça. Et ouais. J'ai qu'une seule chose à dire. Allez, c'est la vive la France. Allez la France, moi je préfère. Et moi je vous dis par contre, c'est sûr, on se retrouve pour les demi-finales sur FIFA. Sur FIFA contre la Colombie alors tu dis. Contre la Colombie. Allez, ouais. Ça sera bientôt. France-Colombie. Allez, ciao, bonne soirée à tout le monde. Allez, ciao tout le monde.